ThinkTech Hawaii. Civil engagement lives here. Good afternoon and welcome back to Global Report. We have with us today Mayor Mohamed Siddiqui, who is the mayor of Rabat, which is the capital city of Morocco. Welcome back to the show. Now, Mayor Siddiqui, in 2004, US and Morocco signed a free trade agreement, and in 2006, it came into full effect. Morocco and US free trade agreement has been hailed as a prime example of how free trade benefits mutual countries. Donc en 2003, le Maroc et les États-Unis ont signé un accord d'échange libre et il est entré en action totalement en 2007. Qu'est-ce que cela veut dire pour la relation entre le Maroc et les États-Unis? Je vais parler un peu de l'histoire de la relation du Maroc et les États-Unis. J'ai dit déjà dans la première partie comme quoi le Maroc, parmi les premiers pays qui ont reconnu les États-Unis, l'indépendance des États-Unis. Donc déjà, il y a une relation très ancrée dans l'histoire. Et tous les présidents des États-Unis et tous les rois du Maroc, ils entretiennent toujours une relation privilégiée. Vu que le Maroc aussi est présent sur la scène internationale. Le roi du Maroc, c'est le roi des croyants. Et des croyants au Maroc et de tous les musulmans en général. Il est respecté pour sa position. Il est respecté parce qu'il a un rôle très important. Et dans la politique au niveau du Moyen-Orient, le Maroc et le roi du Maroc, il est toujours présent. Et sa décision, il a un impact sur la politique. La même chose en Afrique. Et la même chose aussi en Europe. Nous avons des amis en Europe. Les Français, les Espagnols, les Italiens, tous les Européens en général. Et donc avec ça, effectivement, cet accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis, c'est un accord déjà parce que les États-Unis, ils croient à la capacité du Maroc, c'est-à-dire à la capacité économique, à son développement économique, à son modèle qu'il a choisi pour le développement économique, et il a voulu renforcer la relation historique qui existait. Et donc, il a ouvert ses portes aux produits marocains et surtout les produits bio marocains, les produits artisans, de l'artisanat marocain. Parce qu'on ne va pas parler de l'industrie. Le Maroc, il n'a pas une industrie supérieure à celle des États-Unis. Mais quand même, nous avons une agriculture bio, nous avons une agriculture plus naturel, et nous avons aussi des produits de l'artisanat marocain qui sont très demandés aux États-Unis. Et donc cette opportunité de l'accord de libre-échange, ça facilite l'accès de ces produits-là au marché américain. Donc tout le monde profite. Premièrement, le demandeur américain y trouve le produit, et aussi l'exportateur marocain, il exporte facilement avec moins de frais de douane, et moins de contraintes de frontières douanières, etc. So first of all, I want to talk about the historical relationship. As I said in the first part, the United States is the first country that recognized Morocco as an independent country. Mm. And since then, the relationship has only improved. And Morocco has many friends, whether it is in Europe or in the rest of Africa. But what this free trade agreement shows is that the US recognizes the economic potential of Morocco and the system, the economic system that Morocco has chosen. So for instance, of course we can't talk about industrial activities because Morocco has very little of this, but it's particularly with the agriculture and craft and more specifically organic agriculture. It's in this field that there is a lot of possibilities. It's
it's an ongoing relationship. Mm-hmm. Now, you mentioned agriculture. I know that that's one of the main industries of Morocco. When the treaty first came about, there were some concerns among the Moroccans that this might threaten domestic agriculture. How did Morocco overcome that? Vous avez mentionné l'agriculture. Il y avait des doutes quant au potentiel d'expansion de l'agriculture marocaine. Avec ce nouvel accord d'échange libre, pensez-vous que l'agriculture marocaine pourra apporter autant de bénéfices qu'il était prévu? Si, si. Mais j'ai parlé d'un type d'agriculture. J'ai parlé de l'agriculture bio et de l'agriculture naturelle. Il y a une forte demande des produits bio marocains, d'agriculture marocaine, qui sont demandés. Il y a l'huile d'olive marocaine qui est demandée. Il y a l'huile d'argane marocaine qui est demandée. Il y a d'autres produits bio, même une pomme bio et surtout les oranges. Le Maroc, elle est connu par des oranges, une qualité des oranges de partout du monde. Ils arrivent même en Asie, les oranges marocaines, ils arrivent en Russie, ils arrivent à toute l'Europe. Bien sûr, il y a une concurrence de certains pays européens, mais quand même, il y a des oranges marocaines partout au monde. Donc voilà les produits agricoles qui sont demandés au niveau des États-Unis. I think the biggest part of the trade is, as I said, to do with organic and natural products, especially olive oil, argan oil. All this and oranges, all these products are exported all over the world, in Asia, in America, in the rest of the Africa. Mm-hmm. Well, congratulations on the free trade agreement, because it boosted Moroccan exports to the United States close to $200 million. And it actually boosted United States exports to Morocco by $1.4 billion. So this has been a win-win for both countries indeed. Donc, félicitations pour cet accord de libre-échange, puisqu'il a accru les exports du Maroc vers les États-Unis de $200 million et les exports des États-Unis vers le Maroc de plus de $2 milliards. Oui, parce que c'est le rapport il est grand entre le Maroc et les États-Unis, c'est normal, c'est la même échelle. C'est la même échelle. Yes, because the scale is very big and there is a scale relationship between the two countries. That is understandable. Mm-hmm. Which leads to these numbers. Right, and I mean, it's a win-win for both countries. Yes. Yeah, yeah. Now, Mr. Mayor, you're here in Singapore for the World City Summit and the Mayor's Forum. The Mayor's Forum was a closed event, so if you don't mind, share with us some of the things that took place. I understand there were two sessions, and the first session was about how cities can embrace the disruptive innovations. Donc, Monsieur Sadiki, vous étiez là pour le sommet international de la ville. Vous avez participé au Forum des maires, qui était un événement fermé au public et aux journalistes. Donc je voudrais comprendre un petit peu comment ça s'est passé, je voudrais en savoir plus. J'ai compris que la première session concernait les innovations technologiques. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Pas seulement les innovations technologiques, les innovations tout court. Les innovations. Et comme j'ai dit déjà à quelqu'un qui m'a posé presque la même question, je lui ai dit ce genre de forum, si chaque maire apporte une solution de réussite, quand même dans la salle on est des milliers et des centaines d'expériences réussies. Et les échanges, ils se passent. Donc l'intérêt, il est là. L'intérêt, c'est que vous avez une expérience réussie, moi j'ai une expérience réussie, on échange l'expérience réussie. Donc on a parlé de toutes les réussites, pas seulement technologiques. Mais quand même, la deuxième partie, au moins pour les maires, c'est que nous avions, dans des tables rondes, parlé de ce que nous avons fait dans nos villes. Pourquoi ils sont devenus comme ça. Et moi, j'ai parlé au niveau de la ville de Rabat des deux grands projets qui ont fait de cette ville vraiment une révolution dans le nord de l'Afrique et dans le Moyen-Orient. Pas seulement au Maroc, mais dans toute la zone du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient. Je laisse et je continue. So,
I want to emphasize that it's not only technological innovations that we discussed, but in the room we were 100 mayors also, and so there were hundreds or thousands of positive experiences. So what everyone did was sharing those positive experiences, those successes, and in my particular city, I explained two projects that are ongoing, and I would say that if every mayor brings just one success, all the cities in the world can benefit from this shared experience. That is a wonderful suggestion. Yes. That was the first part of the okay. So, second part. Moi, par exemple, au niveau de la ville de Rabat, j'ai parlé de deux projets qui ont bouleversé la ville. Parce que la ville de Rabat, historiquement, elle a tourné le dos à la mer et à la rivière. Mais maintenant, avec l'évolution du monde et l'évolution, notre évolution, nous-mêmes, les Marocains et les gens de Rabat, on a dit non, il faut exploiter le bord de la mer et de la rivière. Et on a fait un aménagement gigantesque, initié toujours par Sa Majesté le Roi. Parce que si les moyens de la commune ne permettent pas de faire de tels investissements grandioses au niveau de la ville, nous avons équipé 6 000 hectares, presque 10% de la surface actuelle de la ville, c'est-à-dire on l'a développé au bord de la rivière, c'est-à-dire la vallée du Bourguereg, et au niveau de la corniche de Rabat, sur 13 kilomètres. Je te laisse ou je continue? Non, je travaille. D'accord. So, in particular, these two great projects that are happening at the moment in Rabat are in the Bougreb Valley. So there's the redevelopment along the river and the redevelopment of the waterfront. All in all, it represents 6,000 hectares, which is almost 10% of the total city area. And these projects have revolutionized urban planning in the city. Et il y a une deuxième, je vais revenir sur la vallée du Bourguereg, il y a le deuxième grand projet initié toujours par Sa Majesté le Roi, c'est-à-dire c'est lui le gouvernement et lui le chef de l'État, il a donné des moyens pour la capitale. Et nous avons initié un projet baptisé Rabat, ville lumière, capitale culturelle du Maroc. Ça je vais te rappeler pour la traduire, Rabat, ville lumière. Capitale culturelle du Maroc. Ce projet-là aussi, c'est pour reprendre la partie déjà existante de la ville, la première partie. C'est une nouvelle zone que nous avons aménagée, ouverte à l'urbanisation et au développement et à la haute construction. Mais le deuxième programme, c'est pour la mise à niveau des accès de la ville, des moyens de transport de la ville, des quartiers sociaux, de la partie sociale, sociaux au niveau de la ville, de la partie aussi culturelle existant au niveau de la ville, et en général les espaces verts, parce que Rabat quand même c'est une ville verte au monde, parmi les 5 villes vertes au monde. Et donc on a fait encore plus d'efforts pour que cette ville reste attractive, il attire plus de touristes, il attire plus d'habitants. Les gens ils demandent d'acheter un logement au niveau de la ville de Rabat. Il attire les touristes et il fait beau de vivre. Comme ça, si quelqu'un, les gens qui visitent Rabat chaque 2 mois, ils constatent une évolution. C'est pas chaque année, chaque 2 mois. Seulement 2 mois, on arrive à constater comme quoi toute la ville est bouleversée, toute la ville est en chantier. Toute la ville est en train d'être renouvelée, d'être reprise, et les gens constatent chaque jour une évolution au niveau de notre ville. So the second great project in the city of Rabat, besides the Bougreb Valley redevelopment, is a cultural project. The city, the vision for the city is called Rabat City of Light. And Rabat Cultural City. So that means that they want to put its heritage and its history at the forefront of urban strategies and urban policies. So it's a green city. It's been a green city since 2003. And
This, of course, creates a great attractivity. There's a higher than ever demand for housing, and we are responding to that. And today, people see the city change every 2 months. Not every year, but literally every 2 months. So it's very dynamic. Hier, je m'excuse, hier, j'ai été reçu par le ministre du Développement National, votre ministre de Singapour, et le soir, j'ai dîné avec 10 hommes d'affaires de Singapour pour leur parler de Rabat et pour leur parler des occasions d'investissement au niveau de la ville de Rabat et du Maroc tout entier, en disant que les hommes d'affaires et le gouvernement de Singapour doivent avoir une très bonne place au niveau de l'échiquier d'investissement marocain, c'est-à-dire aux côtés des autres investisseurs européens, américains et du Golfe qui ont fait la confiance au Maroc et qui ont choisi le Maroc comme destination pour l'investissement. So to attest of this attractivity, for instance, yesterday morning I was in a meeting with the second minister for national development, Mr. Desmond Lee of Singapore, and in the evening I was with the ambassador of Singapore to Morocco, and at a dinner with investors from Singaporean companies, and this shows that Singapore trusts and is expecting a lot from the Moroccan economy and from Rabat, and that this relationship with Singapore is developing as much as the one with the US and with the Middle East and with the rest of Asia. Well, thank you so much. I want to shift gears because I know we don't have much time left. I just want to talk about an issue that's kind of going around the world today. The Western media tends to follow on the militant Islamist, extremist Islamist when they talk about Islam. Do you think that the Muslim countries should speak out more against the extremist Islamist? Donc je voudrais changer de sujet puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps dans cette interview. Les médias internationaux ont tendance à parler de l'extrémisme islamique. Comment pensez-vous qu'une ville et qu'un maire devraient réagir à ces discussions dans les médias internationaux? Premièrement, nous n'avons pas de problème d'extrémisme au Maroc. Le Maroc, il a connu tout le temps une stabilité, premièrement de son choix politique, Sa Majesté le Roi, il a fait un bon choix, et le choix des hommes de la politique, les partis de politique, il y a un consensus, et le peuple marocain n'est pas extrémiste. S'il y a une personne ou deux, c'est des cas particuliers. Donc le Maroc, il connaît une stabilité totale. Et nos services de sécurité, ils font leur travail, il n'y a pas de problème, il y a toute la tolérance. D'ailleurs, le Maroc, il a donné un très bon exemple à l'échelon mondial. Il forme les responsables religieux pour la plupart des pays de l'Afrique du Sud. C'est le Maroc qui fait la formation. La France et l'Espagne, ils ont fait confiance au modèle marocain et c'est le Maroc qui leur forme les imams pour leurs mosquées en Espagne, pour leurs mosquées en France, l'Italie et tous les pays européens. Donc le Maroc est un modèle de tolérance. Le Maroc est un modèle où il y a l'islam, oui, mais il y a l'islam de la tolérance, l'islam qui ne pose aucun problème. Et d'ailleurs, le Maroc ne connaît pas. Depuis 2003, il y a eu un attentat d'un amateur comme ça. Mais depuis là, le Maroc, il est tranquille. Les services de sécurité, ils sont capables, ils font leur travail. Ils détectent lorsqu'il y a des choses à gauche, à droite. Mais le Maroc, il est connu par sa stabilité. Il est même en train de promouvoir un modèle du vrai islam, de l'islam de tolérance. D'ailleurs, vous voyez Sa Majesté, il part en Afrique, il est bien reçu par les populations parce qu'il donne l'exemple d'un vrai musulman tolérant qui n'a pas de problème. So first of all, it must be said that Morocco is not an extremist country. It's very stable
politically very stable country. For instance, or if there are some extremists, it's really an exception. And for instance, Morocco trains imams for mosques in south of Africa, and in Europe, many countries now trust Morocco to train imams, like France, like Spain, like Italy. So Morocco is becoming a center of respect and acceptance for Islam. Well, growing up in Singapore, you know, I have Christian friends, Muslim friends, Hindu friends. I can attest that, you know, I think that the religion of Islam is very much misunderstood in the West, simply because the media is so biased. And I'm so happy to hear about the success of Rabat in Morocco. And I wish your city and your country continued success in your relationship, not just with the United States and Singapore, but with the rest of the world. En grandissant à Singapour, j'ai toujours été dans un environnement où les religions hindoues, chrétiennes et musulmanes ont cohabité. Et donc, c'est un plaisir de voir, d'entendre votre témoignage de la situation culturelle et religieuse au Maroc. Et je souhaite un succès continu à Rabat, au Merci. Maroc et Merci. À votre société. Thank you. Merci. Thank Merci you beaucoup. So much, and thank you for being on the show. Thank you, Mr. Mayor. Shukran. Merci. Thank you. D'accord. Thank you. Wow.